L'idée de cet enregistrement est née à l'issue d'un concert. C'était en fait le premier concert que j'ai donné avec les Violons du Roi et Bernard Labadie, dans un lieu absolument sublime. C'est le Domaine Forget dans le comté de Charlevoix, au Québec. Un festival d'été qui se déroule chaque année. Je crois que c'était au mois de juin 2008. Nous avons donné ensemble une partie de ce programme, deux concerts de Bach. Et en sortant de scène, je crois que nous avions une envie commune, en tout cas on en a parlé, de poursuivre ce travail sur Bach amorcé au cours de ce concert et de le poursuivre au disque. L'enregistrement s'est déroulé dans une salle absolument merveilleuse, c'est le Palais Montcalm à Québec. C'est une salle qui a été construite sur mesure pour les Violons du Roi. L'acoustique est irréprochable tant pour les cordes que pour le piano. Alors Bernard Labadie a choisi de mettre le piano non pas devant l'orchestre mais au fond de la scène, finalement dans une position de musique de chambre et proche de ce qui se faisait au temps de Bach. Le programme s'est imposé assez rapidement avec comme colonne vertébrale les quatre concertos qui me semblent être les plus proches du piano moderne. Je pense que tous les concertos de Bach ne sont pas aussi adaptable sur mon instrument. Et donc j'ai choisi les concertos BWV 1052 en ré mineur, le BWV 1054, le 1056 et le 1058, auxquels j'ai ajouté le concerto pour quatre claviers et orchestres. Dans cette couleur toute italienne, j'ai voulu ajouter le mouvement lent du concerto pour hautbois et orchestre de Marcello. Vous savez que Bach ultérieurement l'a transcrit pour clavecin seul. Et c'est une pièce que je joue d'ailleurs assez régulièrement en bis à la fin de mes récitals. Mais nous l'avons joué aussi avec orchestre durant les tournées que nous avons fait ensemble avec Bernard Labadie et les Violons du Roi. Je trouvais qu'il était vraiment important et cohérent de l'intégrer à ce programme.
Ce disque, il est dédié au Québec, à tous mes amis québécois. J'ai en quelque sorte, depuis 20 ans que je retourne régulièrement au Québec, une seconde famille. Et c'est une province qui est essentielle, c'est une terre qui est essentielle pour moi dans ma vie. Et je suis très heureux d'avoir enregistré ce disque sur cette terre et avec mes amis.